vous l'avez pu le voir, on est tous très émus et très touchés. Déjà d'une part parce qu'on perd des collègues. On perd des collègues, quand je dis collègues, c'est les Sephora et aussi mes collègues animateurs. J'en ai que je ne reverrai pas et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Déjà, moralement, c'est pas facile du tout. C'est tout qui change. L'organisation du magasin, il faut savoir qu'on nous met les personnes qui parlent en notre nom, qui sont soi-disant des syndicats, qui n'ont rien à voir avec le magasin, je tiens à vous le signaler. Ne savent pas aussi l'organisation très difficile qu'on doit mettre en place au dernier moment. C'est pas facile aussi à vivre. Vous savez, les clients qui ont l'habitude de venir vers 21h, 22h, ils ne changeront pas leur habitude. C'est nous qui sommes à leur service. Ce ne sont pas les clients qui sont à nos services. Personnellement, bien, je vais vous dire quelque chose, ça fera à peu près comme tout le monde. On aura à peu près, du fait qu'il y aura entre 20 et 25% de moins de chiffre d'affaires, on aura entre 20 et 25% de moins de salaire. On va se retrouver vraiment avec des gros soucis. Et en plus, je vais vous dire, c'est un lieu extraordinaire. Alors ça, je vais quand même vous le dire. Il faudrait que tous les peuples du monde entier viennent, parce qu'on a des tas de gens de différents pays et tout le monde s'entend très bien. C'est quand même très important. Ça, c'est une leçon de politique.